L'année 2020 a été l'occasion de tester de nouveaux outils et parfois de découvrir de nouvelles opportunités pédagogiques. Je vous souhaite pour 2021 de poursuivre cette voie d'innovation dans le respect de l'aliment pédagogique avec une recherche accrue de sens. Je suis impressionnée et félicite tout un chacun pour sa faculté d'adaptation, de dépassement de soi et d'innovation. De 2020, je retiens certainement cette admiration pour les enseignants de notre université qui, malgré toute la pression et tous les changements auxquels ils ont dû faire face, ont réussi par moments à s'émerveiller de la créativité et de la profondeur des échanges avec leurs étudiants. Des facultés qui se sont démenées pour que tout tourne bien et qui ont innové dans leur mode de communication vers les étudiants et vers les enseignants. Et le pari a été gagnant. C'est qu'on puisse utiliser ses forces, mais avec sérénité, et pour des projets à plus long terme. Pour 2020, je retiendrai la mobilisation et l'engagement des facultés et des services centraux pour maintenir une formation de qualité. Et je nous souhaite en 2021 de nous retrouver sur tous les sites de l'UC Louvain. Je vous souhaite déjà une excellente année 2021 à venir. Inimaginable. Et pourtant, des enseignants qui restent motivés et prêts à partager leurs ressources innovantes et leur expérience dans ce contexte si particulier. En conclusion, une université solidaire dans l'adversité. La remarquable capacité d'adaptation des enseignants et des étudiants aux changements soudains que nous avons vécu dans nos pratiques d'apprentissage et nos pratiques pédagogiques. C'est la capacité d'adaptation de chacun et chacune pour toujours faire de son mieux et trouver son chemin dans ce contexte d'incertitude. La bienveillance des conseillers et conseillères pédagogiques du monde qui se sont démenés sur le réseau pour diffuser leur aide auprès des équipes enseignantes qui en avaient besoin. Alors pour 2021, je me souhaite de continuer à innover et au fond, quelles que soient les modalités. La rentrée et la rencontre avec les nouveaux académiques enthousiastes et prêts à relever les défis pédagogiques de cette année académique un petit peu particulière. L'ouverture à de nouvelles modalités de travail et de collaboration à distance qui ont permis de maintenir les plannings et de poursuivre les productions en cours. Alors moi, ce que je retiens de 2020, c'est la découverte de façons d'enseigner qui sont innovantes, qui sont efficaces et que l'on conservera et qu'on améliorera certainement en 2021, même en présence avec les enseignants. Pour